Bon, ben là on se retrouve enfin au métro. Drassan, moi j'ai complètement zappé d'enlever ma carte d'identité, enfin de mettre le sac que j'utilisais hier en soirée et là. Donc du coup j'avais oublié ma carte de métro, on pouvait pas passer. Hein. Et là on vient de s'en rendre compte qu'on n'aurait plus assez quoi. Donc le parc Güell, je crois qu'on va pas le faire. Enfin voilà. On ira forcément à la plage, on va se prendre un jus à la salle en place, comme d'hab. Et voilà. Là il est 15h30, on est en train de finir de faire les photos, mais bon on n'est pas. Depuis tout à l'heure où je vais parler, il était 13h je crois. On n'a pas fait que prendre des photos non plus, mais on discutait justement. On a préparé notre commentaire qu'on va mettre sur Airbnb. Il est un petit peu long. Et voilà, on va partir à la plage. Là je suis en train d'aller récupérer nos bagages à 7h. Vous avez vu comment c'est beau ici? Voilà. Bon, je vous vloguerai après aussi, je pense. Voilà. Bon allez, à tout à l'heure. Oh, j'ai la voix cassée.
my bathtub, then I go to sex clubs, watching freaky people getting it on. It doesn't make me nervous, if anything I'm restless. Yeah, I've been around and I've seen it all. I get home, I got the munchies, binge on all my Twinkies, throw up in the tub, then I go to sleep. And I drank up all my money, dazed and kinda lonely. You're gone and I gotta stay high all the time to keep you off my mind. Ooh, ooh, high all the time to keep you off my mind. Ooh, ooh, spend my days locked in a haze, trying to forget you, babe. I fall back down. Gotta stay high all my life to forget I'm missing you. Ooh, ooh. Pick up daddies at the playground, how I spend my daytime. Loosen up the frown, make them feel alive. I'll make it fast and greasy, I'm numb and way too easy. You're gone and I gotta stay high. J'ai pas trop de batterie. Bon, les filles, en fait, là, c'est pour vous dire. C'est pour partager. Moi aussi, ils vont aller dessiner. Hein. C'est pour partager avec vous, en fait, ce qui vient de nous arriver. Donc, l'hôte avec qui on était, elle s'appelle donc Sandra. En fait, elle nous a pris pour des connes parce que, bon, elle a gardé nos valises. Elle était très gentille. C'est bon, très gentille, non, en fait, c'était. Elle attendait, en fait, un service. On est rentré, en fait, elle nous a préparé le commentaire. Et le commentaire, en fait, de Airbnb, parce qu'à chaque fois, vous faites des commentaires. Et les commentaires. C'est soit positif soit négatif. Et en gros pour nous c'était genre 10% positif et genre 90% négatif. Enfin, le positif est encore 10%, je crois que c'est même pas ça. Bref, et du coup en fait on arrive et il nous dit genre venez. Il est 7h15, on avait rendez-vous donc à 10. On est arrivé genre 5 minutes avant. Et genre en gros elle nous a préparé, elle a fait genre une review sur nous. Voilà, sur Google Translate, elle a tout préparé pour nous. Un pavé, genre comme si c'était nous qui avons dit ça, mais pas du tout. Et en gros tous les commentaires que, parce que moi je me suis pas, c'est les filles qui se sont chargées pour regarder parce que moi j'ai pas vu. En gros elles se sont fiées par rapport aux commentaires des gens qu'ils ont fait. Du coup en fait, nous on s'est référé par rapport aux gens pour prendre l'appartement. Et en gros les gens ils ont disaient que des trucs bien et tout. Mais en fait je pense qu'elle a fait du chantage à tout le monde parce que là elle nous a fait du chantage. Et là elle vient de nous dire qu'elle va se plaindre de nous à Airbnb, genre en gros on n'était pas des good hosts. Mais c'est quoi ça, sérieux qui? On l'a regardé, on lui dit est-ce que c'est une blague ce que tu es en train de nous faire, parce que on comprend pas, c'est pas très drôle, tu vois. Et mais les connes, mais vraiment, mais oh mon dieu. Mais là nous ce qu'on va faire, heureusement que nous en fait on va être entre parenthèses réveillés parce qu'on va être dans le bus et du coup on va arriver tôt. Donc dès qu'on arrive en France on va contacter Airbnb, mais en fait la femme a fait du chantage, j'ai l'impression, à tout le monde. Et vous imaginez pas, je pourrais pas vous le sortir parce que je suis trop énervée. Et que voilà, avec Marine, à un moment en fait on commençait à rigoler devant elle parce que on était énervés et en même temps on trouvait ça drôle parce que on n'y croyait pas en fait qu'une personne peut faire ça. Et elle nous disait que c'était son job, c'était son travail de faire Airbnb et voilà quoi. Mais en fait c'est une grosse connasse, je le dis devant une vidéo, tout ce que vous voulez, poli ou pas poli, c'est une grosse connasse, c'est une grosse tout ce que vous voulez. Voilà, on va vous mettre, je vais vous mettre quand même le nom en barre d'infos quelque part, je vais trouver ce nom et je vais vous le mettre. Franchement, vous la conseille vraiment pas. En fait, moi, je préfère vlogger, vous dire ça. Voilà, s'il faut, elle a préparé son coup. Hein. Elle se disait peut-être que non. Voilà. Donc, je disais, ça s'est coupé. En gros, elle nous a pris, elle était vicieuse. Elle nous a pris pour des cons. Elle a eu zéro commentaire négatif. Et en gros, on se demandait pourquoi. Enfin, on s'est dit, peut-être qu'on va tomber sur un truc bien. Mais en fait, c'était un truc complètement foireux. Franchement, faites très attention, les filles. Airbnb, c'est pas toujours tout beau. Et voilà, franchement, si vous voulez un truc. Mais je pense que c'est un cas sur 10, tu vois, c'est pas beaucoup, enfin peut-être un cas sur 100, peut-être, je sais pas. Mais franchement faites très très attention. Nous, je préfère partager ça avec vous pour vous dire que tout est pas beau, tout n'est, enfin voilà, ça nous a ruiné tous nos voyages depuis qu'on est là. Enfin voilà, comme je vous ai dit, c'était bizarre, ces règles étaient bizarres, enfin elle nous imposait des choses, voilà, c'était tout. Elle disait que le petit déjeuner était compris, soi-disant café été, elle nous a jamais rien proposé. Elle nous disait de ranger ses affaires, enfin de quand on utilisait la vaisselle, c'est. Enfin, nous on le faisait tout le temps, mais elle le faisait pas, c'était tout le temps débordé. Quand on avait besoin des choses, on était obligé de laver ces trucs à elle. C'était sale, la cuisine était sale, enfin tout était sale. Et quand Marine elle est partie pour se doucher le 31, bah, c'était hier, elle lui a toqué, elle lui a dit fais vite parce que moi je dois me doucher.
Non mais on est où là? Si ça aurait été moi ou ça aurait été elle, enfin ça aurait été le contraire, qu'on leur aurait dit dépêche-toi nous on doit sortir. Elles vont dire non mais je suis chez moi, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais oh là là ça, mais, enfin bref, je crois que je vais arrêter ce vlog pour aujourd'hui. Je sais, j'ai pas envie de finir mon vlog comme ça. Ça commence bien et ça se finit mal. Voilà. Je suis dégoûtée mais bon. Mais en tout cas faites très 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 attention, lisez bien. Si vous voyez que c'est trop bien, très attention, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Voilà. Ou sinon les gens qui ont commenté vraiment, on essayera de les contacter. C'est clair. Essayez de faire ça, peut-être qu'on essayera de les contacter, on pourra voir avec eux et si c'est vrai. Enfin bref, voilà, je vous dis à tout à l'heure, il est 17h, 19h. C'était Camille sur Journal de... Voilà, on va finir ça en humour. Hein. Voilà, bref. Ciao, à tout à l'heure ou à demain ou je sais pas quand. Ciao. Whisper till tomorrow echo in my mind. Try-